Et yo tout le monde, c'est Go. Aujourd'hui, ben, on va faire le troisième épisode de The Walking Dead, saison 1, épisode 1. Donc c'est parti. Je tiens à m'excuser pour les deux épisodes qui est le truc écrit Mobizen ici. Je sais pas comment on fait pour l'enlever. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, ben, dites-le moi et je pourrais peut-être le hacker pour enlever le truc payant. Si c'est payant. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez me le dire, ce serait bien. Donc, on va vérifier les tiroirs. Parce que là je vous dis direct, ça va être très long. J'ai fait actuellement la vidéo à 8h27 du matin. Je suis un peu fatigué, mais bon, voilà, c'est pas grave. Bon. Déjà, ça va nous être très utile. Donc on va ressortir. Parce que en fait là le but c'est de trouver des clés pour ouvrir la pharmacie. Et les clés elles sont sur le corps de son frère. Donc du coup il faut faire un truc parce que je vais vous montrer. J'aimerais bien qu'il puisse traverser déjà. C'est bloqué, donc on va passer là-bas. Ça lag, hein, je suis désolé. Ah, il faut parler à Doug. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. On jette un coup d'œil. C'est un peu bloqué là, on peut dire. Oh putain. Ok, donc c'est là. Donc il y a un cadenas, une brique. Là-bas il y a le corps du mec où il y a les clés. Les télés. Je suppose avec la télécommande. Ouais, sauf qu'il faut péter la vitre maintenant avec la brique qui est là. Et il faut péter le cadenas. Franchement, là, je suis un peu bloqué. Voilà, donc il y a le cadenas. Attends, si c'est ça. Ah, donc faut vérifier le corps. Look at the one trapped over there. Better than us. Oh shit. What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. On va dire ça, on peut pas dire qu'on connaît pas trop parce qu'on le connaît, donc on va pas le mentir. Voilà.
Putain, il faut qu'on soit sûr qu'il a les clés, ce con. On rentre. On va pas chercher à discuter. Bon, moi je pense que là, cet épisode, le but, ce serait d'essayer de sortir. Bah, de là, quoi, parce que là, c'est vraiment long. Donc, on va attendre. On va essayer de trouver les solutions qu'il faut faire. On va pas foutre partout. Ouais, ce sera pas rien. Oh! Ah, c'est son frère. Donc, son frère était pharmacien. Je vois. We can't let anything happen. Hey Lee, maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway. We, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. Comment va Duck? C'est quoi le plan? Vous allez bien? Bah moi je les soutiens parce que c'est comme eux, ils nous ont quand même emmenés en voiture, donc on va les soutenir. Comment va Duck? How's Duck doing? It's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? Elle va bien, je crois. On peut pas dire que sa famille est morte, on le sait pas encore. What are you saying, Lee? She spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. C'est quoi ton plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Je ne sais pas. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? Yeah, it's not our business. Not sure they made it. We passed some houses on the way in and things are pretty bad here. Well, you just don't know. Vous allez bien. Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Doug? Bon. We've all been through a lot. Lee, you got a second? Ah. Sure. Farm. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. Ouais, mais c'est tout à fait normal, ça arrive. It happens. I guess. Ouais. But I can't stop seeing him in my head. Eh oui, il a sauvé son fils d'un mec qu'il connaissait pas, c'est logique. Mais il aurait pu le poser, par contre, ouais, et venir aider Lee. Consoler. Essayer d'oublier. Voilà. Ah, une barre énergétique. Je pourrais peut-être en passer à quelqu'un. Alors, qui aurait besoin maintenant d'une barre énergétique? Ça, c'est la question. Parce que c'est possible que si on la donne à quelqu'un qui a vraiment faim et qu'on lui a pas passé, qu'il nous fasse la gueule. Ah, il y en a une deuxième. On a deux barres énergétiques, donc je peux en passer deux. Donc, voilà, je ne sais pas trop ce que... On va en donner une à Duck, déjà, parce que c'est un enfant. Une à Duck, et après on verra. On va garder celle et on va attendre que quelqu'un arrive. Oh, thanks Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. OK, voilà. Ils sont contents.
Ah là, et je pense en... Oh putain, je voulais la donner à Carly, mais il y a Doug en fait. Et Doug, il est bien aussi. Oh putain, bon, on va la garder. Oh putain. Alors, voyons voir. Mais il n'y a pas de pile. D'accord, bon, maintenant il faut trouver des piles. Voyons voir. Ah, là. Voilà, on a les piles, il faut les donner à Carly. Et normalement, la radio va fonctionner. Et donc, normalement, si tout est bon, Glenn va nous appeler, il va nous dire qu'il a besoin d'aide. Et tout ça, normalement. Je crois qu'il voulait plus s'arrêter. This battery should fit the radio. Great, thanks. And here's another one. Should be able to get it to work now. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Ah. Alors, voyons voir. Donc, il y a les piles, mais autant les amis du mauvais côté. Donc, on va aller voir. Je suppose que c'est comme ça qu'il faut les mettre. Je suis pas sûr. Vu le sang, je pense que c'était comme ça. On va ouvrir l'antenne, évidemment, pour que ça capte. Voilà. Volume. Power. Ah, mais voilà! Voilà. Donc moi je pense que la solution... Attends, il y a peut-être quelque chose à voir. Wow. Ça fait un bruit de fou. On va retourner là-bas du coup avec Clémentine. On va lui parler. On va lui parler parce que je pense qu'il faudrait la rassurer. Comment va ton doigt? It's okay. Thanks for fixing it. Pas de l'avoir réparé, de l'avoir soigné. Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Bah oui. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Ne t'inquiète pas. I'm gonna keep looking around. Okay. Donc, voyons voir. Il y a la canne que peut-être on peut prendre. On peut pas la prendre. Donc on peut pas prendre la canne. Pas compris mais bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder un trousse de soin, ça n'a pas besoin d'un truc. Oui, il y avait juste le pansement pour Clémentine. Et la photo de famille. Ah, mais j'avais fait ça!
Et ouais, je l'avais fait. Tu m'étonnes que Glenn n'y vient pas, je l'avais fait ça. Une photo des propriétaires. Ah. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the younger son got himself a life sentence, but I'm a reporter. Ouais, mec, elle connaît tout. In Atlanta. I paid attention to that trial. Ah, bon, ouais, mais c'est la radio qu'on a attendu là. Frankly, on a entendu tout à l'heure. Did you tell anyone out there who you were or that you were tied to this place? Non. Non, on va être honnête, non. Seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of. Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Merci. On va lui dire hein, si elle garde. Oh, la rougie. Mais non, je sais comment il faut faire. Je sais comment il faut faire pour péter le cadenas et prendre la brique. Il faut avoir une... Ah, c'est bon. Je sais comment il faut faire. Okay. Mais il faut que Glenn nous appelle, c'est le problème. Qu'est-ce qu'il y a? You're not bad, right? Oh putain, déjà elle commence à se soucier. That lady said you killed someone. Oh là là là. Because he was one of the things trying to eat you? On va être honnête, hein. Non, il ne l'était pas. Oh, was he bad? Il était méchant. He was. Oui, direct, oui. On n'a même pas eu le choix de répondre non, il était juste... On a dit, genre non, il était juste normal, ou oui. Non, c'est direct, oui. Bon, du coup, il faudrait qu'on aille normalement là parler à Clémentine. Comment va ton doigt? Good. It doesn't hurt so much anymore. Je sais, je ne suis pas. Je sais. I know I'm not your dad, but if you need anything, voilà. I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh no. No. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Ça se voit déjà, il y a du lien. Okay. Donc on a pris des nouvelles de Clémentine, ok. Le problème, c'est qu'on a toujours une barre énergétique que je ne sais pas à qui passer. Peut-être il faut parler à... Ah, est-ce qu'on lui passe? Ouais, pour la remercier d'avoir gardé le secret. Merci. Thanks. Moi, je commence à bien l'aimer, Carly, parce qu'elle commence à être sympa et tout. Par contre, je veux vraiment lui parler, par contre. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Ah, là, on peut partir. Prête à partir. Il fallait lui parler. Ouais. C'est bon, on peut partir, c'est bon. Oh putain, le con. Depuis tout à l'heure, j'attends que Glenn nous appelle et en fait, il nous avait déjà appelé. Oh, le con. Oh, vraiment, le con. Eh, hey, comme toi. Je pense qu'on va le faire un peu plus long cet épisode, genre vers les 35-40 minutes, parce que lui il est grave chiant à faire et si on pouvait terminer l'épisode 1 ce serait bien. Ah! C'était Glenn, ok. Wesh! Oh là là, mais il fait chier, hein. Mais il en a au moins de l'essence, rassure-moi. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened.
Ah, d'un coup, là, c'est une fille, il veut y aller, hein, le mec. Mais c'est ça, pour reconnaître un rôdeur ou non. Les rôdeurs, ils ne parlent pas. Ok, donc là il va falloir trouver une solution pour être le plus discret possible. Alors, déjà, on va pas du tout commencer vers la droite. Enfin, si, on va commencer par la droite, mais pas par la gauche, parce que là on a aucun moyen de le buter lui. Direct après par le gun, c'est faut être prudent, il faut pas utiliser le gun parce que bah, ça fait trop de bruit quoi. Donc on va aller là-bas. S'il te plaît. Putain, ça lag. Oh merde. Voilà, bon. Allez, va là-bas. Je suis désolé que ça lag comme ça, mais bon, je pense que quand je filme, en fait, ça lag moins que quand je joue normal, parce qu'en fait, j'ai fait une deuxième sauvegarde pour que je puisse jouer, mais en faisant des, je crois, un peu n'importe quoi. Ouais. Alors, là-dedans, il y aurait quoi? Ben, va voir. Ah, il veut pas voir. Bon, d'accord. Ah, d'accord. En fait, la flèche en haut, c'était... Ah, un tournevis. Ok, donc on peut pas... Bah oui, il faut faire ça discrètement. Bon, alors, déjà, on va essayer de voir. On va essayer de voir. Ah, la portière. Ouais, ça va être trop facile. Voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse récupérer. En fait, je pense qu'on va retourner là-bas. Ok, donc attends. On va retourner à gauche, voir ce qu'il y avait à gauche. The Walking Dead, c'est un peu chiant pour ça, quoi. Les énigmes que tu dois faire pour réussir à sauver une meuf, quoi. On va regarder, vas-y, regarde. Descends. Il a failli nous voir. Coussin, prends. Prends. J'ai une idée ce qu'ils vont faire avec. Mais pas... non. Voilà, c'est pas vraiment ce que j'ai en tête, moi, non plus. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on l'utilise sur lui ou sur lui qui est sur la voiture? Apparemment, la voiture serait plus utile. Donc, allez, on va retourner vers la voiture. Suivez-moi! Putain, mais lui, il est sourd pour les entendre, c'est possible. Ouais, tant mieux. Ça fait 25 minutes, on va déjà encore été à 30 minutes. Allez. Hop. Coussin! Voilà. Ouais, voilà.
Ça fait pas de bruit. Il pleure toujours. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on peut tout simplement faire ça. Ouvrir la portière, je pense. Voilà. Et il y a, voilà ça. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. La bougie. Qui va nous permettre de péter la vitre. Certes, ça va faire du bruit, mais au moins on aura une arme discrète. Ah, et oui, on va utiliser ça. En fait, le but, c'est que je voulais qu'il... Ah, voilà. Pousse, Lee, pousse. Et bouf. Ok, alors... Voilà. Donc on va aller là-haut. Et là, on peut utiliser normalement la bougie. Voilà. Ok, vas-y. Ça, ça peut casser une vitre. Ok. Ben, ouais. Oh putain. Oh putain. C'est bon, au moins on a déjà une petite arme pour se défendre. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est aller buter notre PD là-bas donc. Hop. Hop, hop. Après ça, on l'arrêtera, hein, je pense, parce que ça fera trop long, sinon. Hop. Non. Non, non. En fait, je vais trouver un moyen d'y aller plus discrètement, mais il n'y en a pas. Donc. Merde. Merde. Me dis pas, il faut que je recommence tout. Ah non, par contre, là, s'il faut que je recommence tout, je pense qu'on va arrêter là. Ah non, faut pas que je recommence tout. Ah ouais, mais le problème, c'est que ça lag sur tablette. Non, c'est bon, j'ai le tournevis, ok. On va vite le faire. Hop. Hop, tournevis. Voilà. Bute-le vite, lui, parce que c'est un vrai enculé. Chet. Ok, donc lui, on l'a buté. Est-ce qu'il y en a... Oh, PD. Oh, wow. Mais... Vous êtes d'accord, j'ai appuyé sur le tournevis, j'ai appuyé. J'ai appuyé, je vous promets que j'ai appuyé. J'ai appuyé. Oh putain, ça va me saouler. Oh. On peut mitrailler le truc. Mais j'ai mitraillé, mon gars. J'ai mitraillé. J'ai mitraillé le tournevis, c'est pas possible, attends. Oh, si même maintenant le tactile pour le jeu il bug, je sais pas comment on fait. Oh putain. Oh, ça fait deux fois, mon gars. Non, non, oh, reviens, reviens, reviens. Putain. Pète les couilles. Oh. Allez! Ah, c'est bon?
Ouais, voilà, c'est bon. Poignarde-le, poignarde-le. C'est bon. C'est bon? Mais mon gars, j'ai... Oh, ça me saoule, je vous promets, ça me saoule. Oh, je l'ai poignardé, c'est pas possible, mon gars. Putain, oh, c'est chiant. Hop, tu l'appelles. Voilà, tu l'as appelé. Maintenant, je vais bombarder le truc pour le poignarder. Donc, faut attendre qu'il soit prêt pour le poignarder. Voilà, donc là, t'es prêt, tu le poignardes. Bravo! Enfin, tête, 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 tête. Oui! Ça n'a pas bugué. Yes! On l'a enfin passé. Oh putain. Rien que ça, je suis fier tellement que c'est chiant. La hache, elle va atteindre d'abord lui. Ah, la salope. Oh! Dude, where'd your weapon go? Into that iceberg-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Ouais. Donc on a la hache. Allez. On prend la hache. Après ça, je vous promets, on arrête. Ah là, on peut bouger. J'aime pas les trucs où il faut être discret comme ça parce qu'à chaque fois tu te fais baiser à cause de ce lag de merde. Alors c'est pas compliqué. Donc il faut monter. Oh putain, encore un truc comme ça. Allez, allez, allez. Yes. Yes, je l'ai eu. Je t'ai eu, fils de pute. Je les attaque, la vie, la vie. Yes. C'est bon, je l'ai passé. Je l'ai passé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Rien que ça, je suis fier tellement que c'est chiant. Ok. Alors quand on revient normalement, parce que logiquement on va revenir au truc, eh ben j'arrêterai la vidéo. Somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Coup de hache. Ok, on s'en va. Ok, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. Mais cache-le, putain! So, can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please! Bon, allez, de nuit, c'est bon. You can't be serious.
Le. Do it. Do it. On lui pose le gun. Tu te suicides et puis voilà. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. God bless you. Ils sont cons, ça va faire du bruit. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. And, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still. Survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Ok, donc on va arrêter la vidéo là. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour l'épisode 4 de The Walking Dead saison 1, épisode 1, parce qu'on a toujours pas fini cet épisode 1. Ça fait 1h30 qu'on est dessus et c'est toujours pas fini. Donc on arrête la vidéo là et peace.